Molson Drive présente Fat 57, la nouvelle au rythme de la planète. Vous avez changé votre nom, vous avez laissé tomber le Instance. Est-ce que c'est un peu pour relancer le groupe, donner une deuxième chance? Non. Tu connais le pattern, t'es-tu allé voir les Cure, t'es allé voir DM, t'es allé voir... je sais pas, tous les noms qui sont doubles, les gens avec les... T'es allé voir Skinny, OK? C'est tout le temps comme ça. À un moment donné, hey, man, c'est quand sur double X, c'est quand sur double X? On a réglé le problème. C'est ça, justement. Ça fait diminutif, c'est ça. Ça a été coupé naturellement. C'est ça. Les gens l'ont fait. Les gens avaient beaucoup de misère à le prononcer. Instance, instance, distance. Instinct. Public, public distance. Ça portait à confusion, tout simplement. On a dit pourquoi pas bien. Vous êtes en studio présentement, vous travaillez très très fort avec Glenn Robinson, si je ne m'abuse, qui a fait bon, Tea Party, il a travaillé aussi avec France d'Amour, quelques artistes locaux. Comment c'est la vie avec Glenn Robinson? À date, c'est juste génial. Ouais, c'est on a travaillé la première partie de l'album avec Pierre Lignan, puis comme il n'était pas disponible à cause de la tournée et tout ça, c'est ramassé avec Glenn. Puis c'est deux styles complètement différents, mais c'est aussi funny. Là. C'est juste différent. Tu t'adaptes différemment à deux styles de personnes. Mais pour le travail, il est très primé, il est très là, il est présent au bout dans ce qu'il fait. C'est un gars sérieux. C'est un gars très sérieux, puis il est à son affaire, puis ça avance, c'est l'enfer. Quand on est rentré en studio, c'est là qu'on s'est mis à penser, bon, faudrait donner une nouvelle vie à certaines pièces, ça faisait déjà 3-4 ans qu'on faisait, donc on a retravaillé tous les arrangements. Ça donne quasiment souvent c'est quasiment comme des nouvelles chansons pour les gens qui connaissaient les versions originales du temps. C'est bien le fun pour nous autres aussi, c'est comme un nouveau défi, puis ça, après un certain temps, on veut pas, là, ça... Il faut faire un peu de changement, et surtout live, faire les adaptations. Ça fait longtemps qu'on attend l'album, c'est quand la sortie? Septembre, en théorie. Ça devrait être fin septembre. Au maximum début. Mais pas septembre l'année prochaine, septembre cette année. T'sais. Parlons maintenant de la formation québécoise Oblique, qui a lancé son premier album hier. Ça s'est passé au Lion d'Or et c'est Anne-Marie qui les a rencontrés. L'album en deux parties. On a fait les 9 premières chansons sur à peu près un an avec Pierre Rémillard. Puis récemment, au mois d'août, on a fait avec Glenn Robinson 3 autres chansons. Donc, ça a pris à peu près un an et demi. Est-ce que ça vous fait peur de retourner live avec tout ce nouveau matériel? Non. C'est là qu'on est le plus à l'aise. Là, puis en studio, puis dans notre local. Fait qu'on est tout le temps à l'aise, finalement. On tripe la musique, d'être. L'album a un son qu'on retrouve pas souvent sur la scène québécoise. Est-ce que c'était volontaire d'essayer de se distancer, d'essayer de faire quelque chose de tout à fait différent de la scène québécoise? Est-ce que vous essayez de prendre une distance considérable avec? Oui, disons, ben c'est pas une question de prendre une distance, c'est une question, on a notre propre son. C'est une harmonie de tout ce qu'on véhicule depuis des années et des années, dans nos propres goûts, dans nos propres choix, puis amalgamé ensemble, ça a donné ça. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on a vraiment recherché. Benoît arrive avec des séquences, puis en général, on fait comme « Ah! » Oui, ben disons que le monsieur séquenceur, c'est lui, monsieur, tout ce qui s'appelle électronique, c'est ça, là. On compose tout le monde ensemble. C'est juste que quelqu'un amène une idée, puis après ça, on travaille autour. C'est comme souvent, on va amener des séquences. Je vais amener des séquences, je amène ça au band. Puis après ça, c'est le go au trip. C'est comme on amène une petite idée, puis là, tout le monde part là-dessus. Mais tout le band compose, tout le monde trip ensemble. Mais c'est pas un jam vraiment. Ça va tout le temps partir d'une idée, puis là, on va travailler autour. Mais on a commencé depuis qu'on a notre Steph avec nous autres, qui est plus rock.
On a commencé à jammer plus le fil rock, puis ça amène une autre... Ce qui a donné aussi les nouvelles tunes, ça amène des nouvelles textures, les nouvelles formes de composition. Fait que ça change de son aussi, le son évolue à cause des nouveaux membres, à cause de nos nouvelles. Si le clip que vous venez de voir vous intéresse, c'est l'album d'Oblique qui s'appelle First Instance. C'est sur le marché. Et aujourd'hui, on a un groupe tellement, tellement spécial qui fait de la musique pas ordinaire. D'ailleurs, on dit qu'ils sont une alternative à la musique alternative. Avec la chanson Shameless, voici le groupe Oblique. Yeah! Selfishness should be your rule, not to be hurt. You raise a finger, get them away. But can't you feel the danger in the game you play? Or should I give myself away to suck somebody?
Well, again.
please.